deux matchs dans un match, dans le sens que assez satisfait en premier temps. On a joué en 3-5-2 et donc j'ai vu l'équipe développer, chercher les jeux qu'on a, travaillé dans cette période-là. Donc on s'est créé pas mal de situations, surtout sur le couloir droit. Donc assez satisfait. Et assez satisfait aussi de la réaction immédiate après avoir pris le but. Et surtout, j'ai vu une équipe en premier temps avec une bonne énergie physique. Chose qu'en deuxième mi-temps, c'est pour ça que j'ai changé le système. On est passé à 4 défenseurs, 4-3 en 2, parce que j'ai voyé l'équipe un peu fatiguée, sans beaucoup d'énergie et avec pas vraiment de solution offensive. Donc j'ai essayé de protéger la défense avec 3 milieux, même si j'ai mis un attaquant et Moutaraji derrière l'attaquant, mais en deuxième mi-temps, on a eu beaucoup de difficultés parce que, à mon avis, on était fatigué. Il faut considérer qu'en première mi-temps, en deuxième mi-temps, il y avait des joueurs qui n'ont pas forcément fait la préparation. Donc il y avait des joueurs qui sont arrivés sur les dernières 3 semaines. Et donc c'est sûr qu'ils ne pouvaient pas faire 90 minutes à un certain niveau. Il faut accepter les matchs nuls, même si on peut imaginer que pour nous ça peut être un petit échec, mais comme j'ai dit à l'équipe, il ne faut pas penser que c'est facile en Ligue 2. La Ligue 2 en Maroc, c'est compliqué. Tout le monde va nous attendre. Donc, on va se retrouver à jouer des matchs pour gérer les contre-attaques. Parce que quand on joue avec les équipes qui restent tout derrière, on est souvent en danger. Mais malheureusement, on est Shabab. Tout le monde attend qu'on gagne tous les matchs. Mais ce n'est pas évident. Parce que, je répète, en face, on a des équipes qui... Ils attendent de nous faire mal en contre-attaque et nous on doit être à la hauteur de savoir gérer les ballons et gérer les situations de danger. À coup de trône, ouais. Mais quand je vois que le Farabat, il est sorti avec, il a perdu Tétouane contre Tétouane en Ligue 1, je ne pense pas qu'aujourd'hui Shabab pouvait viser de gagner la Coupe du Trône. On a joué, on a fait des matchs contre Tétouane à l'extérieur. On a rencontré une très bonne équipe. On a perdu un 0 sur un corner. Je pense qu'on a fait un bon match. Mais je pense qu'aujourd'hui, notre équipe, il n'a pas le niveau pour penser d'arriver à la finale de la Coupe du Trône. C'est un football technique. Il y a beaucoup de joueurs techniques. Et beaucoup de joueurs qui aiment avoir le ballon dans les pieds. Chose que malheureusement, moi je veux changer parce qu'on ne peut pas penser de jouer toujours avec le ballon dans les pieds. Il faut avoir la capacité d'attaquer la profondeur, de jouer en largeur. Aujourd'hui, par exemple, après un mi-temps, on a réussi à faire beaucoup de changements de jeu et ça nous a aidé dans notre système. Mais le football marocain en Ligue 2, je répète, c'est un bon niveau. C'est pas facile. C'est pour ça que ça va être un championnat compliqué pour tout le monde. Ils étaient là, ça fait plaisir. J'espère qu'ils vont être toujours plus nombreux. Nous, je répète, on démarre la saison. On sait que ça va être compliqué. On sait que tout le monde nous attend. Donc, on sait qu'on a des responsabilités, mais je répète, on doit, nous quand même, travailler de la sérénité en sachant que le championnat, c'est un long parcours. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on gagne le championnat, ce n'est pas aujourd'hui qu'on perd le championnat. C'est une première étape. On s'est confronté contre une équipe qui vient de descendre en Liga, mais on s'est confronté enfin en championnat. Donc c'est important de commencer à avoir un poids de mesure vis-à-vis des équipes. Les supporters, j'ai déjà dit, faire des promesses, ça ne sert à rien. La seule chose qu'on peut garantir, c'est que mes joueurs vont donner les 100% de leur capacité. Très bonne relation, hein, c'est un passionné, c'est quelqu'un qui est en train de faire tout le possible pour mettre en condition Shabab et nous pour faire une bonne saison. Donc il y a un bon rapport, il y a un très, très grand échange. Parfois on a des idées différentes, mais il me laisse toute la liberté possible dans le travail.